J'essaye de faire un peu de stratégie, hein. N'en voulez pas. C'est quoi ça? Bah franchement, c'était... Je vais vous faire un truc cool, mais ça c'était pas... Enfin, c'était pas super super cool. Voilà, on a déjà plus de médic, c'est cool. Plus de medikit. Follow me. Quite tenacious. Afraid or paid well. Perhaps both. Could be a tough fight inside. Better than freezing our asses off out here. I'm cold. As usual. I did mean the weather. Maybe. I know. Stay on your toes. Ouais. Je pensais le faire d'une traite, ouais. Mais on va voir. Si je crève pas 50 fois au même endroit pour que, et que ça me gaffe pas, ça, on, je le fais. Mais si on arrive à des endroits chiants, ou c'est qu'on crève 50 fois là, au même endroit, ça va me saouler. Enfin, on verra. Oui, après, franchement, genre, elle sort de la douche, tout ça, machin. Bon, moi, je la voyais bien se foutre à poil à la fin, quoi. À la fin de la scène, mais bon. Ou alors faire genre, Rain, elle commence quelque chose. We don't know how many there are inside, but they know that we're here. Glass, Deke, ready? Son of a... Hannah, it's Ilwak. You're sure it's him? I said so, didn't I? We don't have the numbers to split up. I count as a couple, yeah? I can go with Glass. If there's a commando in the warehouse, we need to avoid being attacked from the rear. At the slightest sign of trouble? We don't do what we usually do. You withdraw. We stay always in contact, and if we need you, you get your butt back here immediately. On peut monter ? Non, on peut pas monter. Someone tried to crack the system and failed. Il y a un truc. Ah. Oh, hi. Non mais peut-être pas ça, pas voir un truc comme ça, mais genre nous faire comprendre qu'il va se passer des trucs, puis après on fait une fondue au noir, ça, moi ça me va, mais là il y avait rien du tout, quoi, il y avait que dalle, donc je trouve ça un peu bête. Les unités les appellent des Ijirai ou des Ijirait, enfin, bref, certains pensent qu'ils sont en réalité des chasseurs perdus qui se sont aventurés trop loin au nord et qui ont traversé la frontière entre notre monde et celui des esprits. D'autres disent qu'ils sont les enfants de Sedna, les pères et les mères du peuple Inuit. Ils sont décrits comme des créatures mi-humains, mi-rennes, capables de changer d'apparence à volonté. Ils se changent souvent en humains pour se fondre parmi nous et nous observer, car ils sont fascinés par nos coutumes. Ils sont que des légendes, peut-être que ça, et pourtant j'ai sur ma table cet être mi
humain Mirren, dont l'ADN ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu. J'ai peur, mais je vais d'avoir un super Nintendo. Donc il y a vraiment un monstre bizarre. Il est où le monstre bizarre? Mi-humain, mi-Ren. Quand même, dans Fear Effect 1 et 2, on combattait des démons. Là c'est des mi-humains, mi-Ren. Bon, c'est moins quand même. Ça fout un peu moins les boules, j'avoue. Ça fait plus rire qu'autre chose, mais bon. Hein, c'est quelque chose déjà. Rien à check en fait. Yeah. Bon bah. Des mines, des leurres. Wait for me here. On pourrait faire mine et leurre, peut-être. Great. Print scanner, biometrics. Couldn't they use a door code like everyone else? T'as qu'à prendre la main du cadavre. Non? Un demi-centaure caribou. Moi je dirais caribou. On peut pas prendre la main du cadavre. We need a print to open that lock, but it looks like the key's dead. His hand is in good condition. Still pragmatic. Ça va, c'est cliché de film, cliché de film. Ça va. Gros cliché. Si je rencontre un dans ma cour, je le règle et je le mets au-dessus du foyer. Let's move. Room after room. Watch for civilians. Yes, keep collateral damage to a minimum, if possible. We're covering you. Wait for me here. Follow me. Cytomètre, flux filtre, péroné cervidé adulte droit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est chelou, que tu as hydraté. Ménisque de serre, droite et gauche. Quantité 24. Ah. Stay here. Follow me. Je vais commencer à y aller un peu seul en fait, un peu plus souvent. Stay here. Let's go. On sait jamais qu'il y ait des mecs. Wait for me here. Let's go. Wait for me here. Follow me.
wait for me here. Follow me. On continue, c'est pas grave. Stay here. Là, j'aurais dû sûrement m'infiltrer en fait, ouvrir la porte. But what's the LSA doing in here? Enfin, bref. Nothing related to art traffic, unless the artist uses scalpels. Well, it stinks of death. And something else. I don't get everything, but it looks like autopsy reports. DNA research. This wasn't genetics. Look at the amount of blood. Some names remind me what I saw in Nook's library. Arius? More legends. Mythology and surgery? Seriously, I don't get it. It tracks with what Glass told us about Iluwak, and I really don't like it. Let's stay focused and hurry. It's en voie d'être vérifié par les gardes. Pas d'expédition sans autorisation de l'officier supérieur. Même chose pour les colis reçus. Les scientifiques resteront libres à l'intérieur du labo. Accès intérieur-extérieur interdit. Les salles d'autopsie doivent rester sous la protection d'un ou une garde. Accès interdit à l'entrepôt. Communication interdite avec ou pour les civils. Avec et pour les civils, pardon. Canal à utiliser pour le rapport. Alors ça va peut-être être utile. 0241B, canal d'alerte 0355R. Intrusion possible par voie terrienne ou aérienne dans les prochains jours. Wait for me here. Jour de mon embauche, le nombre de chats à la maison, ma femme ou mon enfant. Follow me. Wait for me here. J'ai pas l'impression qu'il bouge. Oh la vache. Follow me.
Ah, on peut tirer dessus. À la limite, tirons sur tout le monde. Comme ça, on se fait pas chier. Ben, vous voyez, là, je suis à la limite à dire que c'est des ressources foutues en l'air, quand même. Ce jeu. Alors, combien... 4. Quatre chiffres. Stay here. Alors je crois que je pense que le code c'est dans ça là, non? 2841. Et c'est 2841, c'était le chiffre. Oui, voilà, voilà. Let's go. Let's go. Oh la vache. Encore un puzzle. Ouais, c'est classe. Ça aussi, moi j'aimais bien, c'est des petits détails comme ça, Fear Effect, que j'adore. C'est que les Game Over, ils étaient différents à chaque CD. Ça j'adorais ça. Il y a 4 CD différents, les Game Over, il y avait 4 Game Over différents. Mais j'ai pas compris en fait ce que j'étais en train de faire. Je comprends toujours pas ce que je fais là en fait. Je peux choisir lequel mettre. Enfin, lequel descendre. Faut pas toucher le rouge en fait, c'est ça? Mais. Oh putain, c'est quoi ce merde? Ok, je crois que j'ai compris. C'est quand je baisse un truc, ça se déplace en fait. Ah non, il faut bouger l'autre. Ah non, si je fais ça, et ça c'est bon. Voilà, ok. Bah du coup ça fait quoi? Je crois que tout devoir va se rendre à bande verte. Ouais. C'est
stratégie. Moi je pense qu'ils ont bien compris que leur stratégie, leur gameplay stratégique c'était pourri. Donc ils t'ont donné un tas de munitions et un tas de medikits que tu peux trouver sur la zone. Putain. Désolé. Et ça je peux pas interagir avec. Ah. C'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc à interagir, ça clignote, pardon. Là, ça clignotait pas. Ah, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Mais bon. C'est quand qu'on peut pas sprinter, putain. Qu'est-ce que j'aimerais un sprint dans le jeu. Du coup, c'est quelle porte? Ah, c'est celle-là. Stay here. Follow me. Où est-ce que... Ah, on est à l'extérieur là, putain. Faut capter quoi. Elle laisse même pas de traces dans la neige, rien. Faut un peu plus travailler sur votre jeu, sur vos jeux, hein, Sushi. Hein. Oui, le groupe s'appelle Sushi. Wait for me here. Y a des gens ou pas? Follow me. Ouh. C'est pas un mec à moitié humain, moitié reine. La blague. Well, that opens a new dimension. And I hate this idea. Can't just be a coincidence. The ambassador, and now this? Genetic experiments to create hybrids? I don't know what Illuwak and his pack are doing, but it has nothing to do with our collection. Axel, what's hidden here? I only had intel about ancient stolen artifacts. Don't believe a word. Like she said. And two well-organized commandos. But that's it. I know as much as you do. Be glad you don't, because I faced things like this before. Elle a déjà affronté ça, non? Enfin, des hybrides, je veux bien, mais elle a jamais affronté des hommes mi-reine. Hein. Ouais, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça, mi-humain, mi-reine. C'est que ça fait pas peur du tout. Une clé, yes. Okay. En fait, c'est une sorte de minotaure. Les Ijir... Bref, ne changent pas seulement de forme, ils sont également capables de passer... de notre dimension à une autre. Ah oui, ils peuvent aussi se changer de forme, genre ils peuvent devenir complètement humains s'ils veulent. Elle appelle le monde des esprits. Seuls les chamans sont censés être capables de traverser le voile. Avec force, rituel et prière, mais eux, ils ouvrent juste la porte et enjambent le seuil. Cela semble tellement facile. Le scientifique en moi tente d'accepter tout ceci, je l'ai vu de mes yeux vus. Je dois me concentrer. Comment savait-il que nous les trouverions à cet endroit précis, sous le permafrost. Ah ok, donc ils sont gelés, piégés dans la glace. Comment peut-il être si sûr que nous parviendrons à répliquer cette capacité de permettre à nos corps de voyager eux aussi entre les mondes? Qu'est-ce qu'ils sont en train... En fait, ils ont trouvé des bestioles bizarres, enfin, des hommes caribous, c'est ça. Et ils ont des pouvoirs pour traverser des mondes, genre dans des mondes parallèles. Ah la vache. Et ils veulent répliquer ça. C'est n'importe quoi. Réveil post-anesthésique. Alors, aucune réaction sur l'environnement. Yeux fermés, grognement, pression sanguine élevée. Continue à grogner. Pression sanguine normale. Hurlement, réaction au stimulus. Yeux ouverts, hurle. Membre du cerf vidé mobile. Pression sanguine élevée. Sangle arrachée par les membres inférieurs. Rupture de ligaments croisés. Engourdissement, palpitations, sueurs, yeux fulsés. Signe d'hémorragie interne. Saignement du nez, des membres. Point de suture déchiré. Hanche droite déchirée. Ah, c'est dégueulasse.
Pression sanguinée, tentative de placer le sujet dans un coma artificiel afin de préserver le corps. Aucun résultat. Deuxième tentative, aucun résultat. Saignement trop intense, mort imminente. Alors les coutures artificielles ne sont pas assez solides, le sujet souffre. Après, je crois que j'ai l'impression qu'ils essayent de recréer en fait des hybrides. Et là, on a le compte rendu en fait de ce qui s'est passé d'avoir créé un hybride. Souffre trop intensément, mentalement et physiquement pour récupérer après l'anesthésie. Coma artificiel plus long, pression sanguine instabilisée. Même préparé, le sujet accepte mal les changements anatomiques. Se battre contre leur nouveau corps cause des blessures invalidantes. Impossible de confirmer qu'une articulation animale puisse supporter le corps. Donc ils les ont trouvés ou ils les créent seulement? Je crois que ça c'est un mec qui a été créé, genre ils ont fait des expériences dessus. Ça c'est peut-être pareil, et ça par contre c'est un sujet vivant ça. Ça c'est un vrai sujet, donc le mec ressemble à un caribou quoi. Il ressemble à un cerf, un renne. Mais après ils ont voulu le recréer et ça a mal fini. C'est très étrange. Très étrange. Pas ouvrir là, comme ça. D'accord. Caribou men. Stay here. Let's go. Aden endommagé à moitié des lésions chimiques ont été ont déjà disparu. Caractéristiques biologiques intéressantes, souche rustique. Bah l'histoire est sympa, mais encore une fois, si tu les compares aux anciens Fear Effect, j'aime pas parce que ça, ça fait trop scientifique en fait. Ça fait trop Resident Evil. Alors que bon, Fear Effect, c'est très loin des Resident Evil. Ça a rien à voir quoi. Alors, je veux tester un truc. Ok. Bon, en fait, il tire dessus. Je pensais qu'il allait l'arrêter ou faire un truc comme ça, mais en fait... Genre pour que je le poignarde, mais en fait... Let's go. That's it. Everything here is covered. Interesting things must be beyond this lift. I don't see how. Rain, can we use it from here? We should, but the circuit doesn't seem to power this part. What can we do? We need to redirect the power, at least partially. But I don't remember anything related in the rooms we crossed. Outside? Same. Nothing. But maybe where Deke and Glass are? Glass, Deke, are you in the warehouse? Nearly. We had a blast meeting the welcome committee. But no trace of Elowak yet. Your side? We're at a lift we can't use. Rain says that power needs to be redirected to it from another part of the lab. Well, hello from another part of the lab. That's what we were thinking. Not outside. We'll look around. See if we notice something. Il y a trop de conversations aussi. Ça fait trop de temps mort. Je critique le jeu, mais je l'aime bien. Mais je critique un peu le jeu. Quoi. Oula. Oh non, c'est la sirène de Borderlands 2. Je sais plus comment elle s'appelle.